pour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Voulez-vous arrêter de fumer? Connaissez la plante qui vous fait perdre l'envie de fumer. Bien que tout le monde soit conscient des effets négatifs du tabagisme, l'abandon de cette habitude est un grand défi pour la plupart. La nicotine est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens continuent à fumer, car c'est la substance responsable de la dépendance. Après quelques cigarettes, le corps s'habitue à la nicotine et devient incapable de fonctionner normalement sans nicotine. En raison d'un besoin irrationnel, plus vous fumez, plus vous avez besoin de nicotine pour que votre corps se sente bien. Lorsque le corps ne peut pas obtenir de la nicotine, il est nécessaire que le fumeur aspire désespérément aux cigarettes et devienne agité. Cette condition est appelée abstinence et nécessite un certain temps pour être surmontée. Bien que les symptômes physiques disparaissent généralement après quelques jours, le désir peut rester plus longtemps. Si vous êtes déterminé à arrêter de fumer, cet article vous aidera. Il révélera ce que peu de gens savent, une plante qui a le pouvoir de détruire le désir de fumer. Quel est le nom de cette plante? Comment est-il utilisé pour lutter contre l'envie de fumer? C'est ce que vous saurez maintenant. Arrêtez de fumer avec stevia. Stevia est capable de réduire l'envie de fumer. Cette plante fait partie de la famille des chrysanthèmes. Elle est originaire du Paraguay et est souvent utilisée comme édulcorant naturel. Le traitement anti-tabac stevia est facile. Appliquez simplement quelques gouttes de stevia sur votre langue chaque fois que vous ressentez le besoin de fumer. Étonnamment, cette astuce simple est très efficace pour éliminer tout désir de cigarette. Si vous pouvez obtenir les feuilles fraîches de stevia, encore mieux, il suffit de les mâcher lorsque vous ressentez le besoin de fumer. Cependant, ne pas dépasser 8 feuilles par jour. En cas d'utilisation de stevia liquide, industrialisé, il est très important de s'assurer que le produit est naturel et 100% stevia, car de nombreuses marques utilisent des mélanges douteux. Et surtout avec une ferme conviction et de la prière, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, des recettes, astuces pour la santé, rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, recettes pour la chute des cheveux, conseils en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.